Alors je vais lui dire, salut Caroline, quelle belle matinée. Il est 7h du matin. Il est 7h du matin, merde, j'espère que je vais pas la réveiller. Oh putain, si elle me répond avec une voix endormie, je sais pas ce que je vais faire. Oh, je vais raccrocher là. Je vais lui dire que c'est pas moi. Oh, j'espère que je vais pas la réveiller. Allô. Bonjour, chère mademoiselle. Ici, c'est une société, disons, Gaz de France. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est simplement une simple vérification. Non, vérifier, c'est une simple vérification pour savoir si tout va bien dans vos gaz. On a pas le gaz ici, j'ai jamais eu le gaz et on n'a pas idée de réveiller les gens à une heure pareille. Oh, je suis vraiment désolé, maintenant, de faire une erreur dans nos registres. Bon, bravo. Le roi des cons, encore une fois. Maintenant qu'elle est réveillée. Salut, Caroline. Comment vas-tu? Comme tu es matinale. Allô? Allô, Caroline? Allô? Caroline! Oui. Comment vas-tu? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je te laisse deviner. J'en ai aucune idée. Ah bon, alors on y va en charade, d'accord? Mon premier est un trop plein d'air dans l'estomac, et mon second est un point que j'aimerais bien atteindre chez toi. Je sais pas. Roger! Eh merde, c'est toi qui viens de téléphoner? Pas du tout, c'était le mec de Gaz de France. Ça ressemblait à ta voix. Mais non, ça ressemblait pas à ma voix. On dirait que c'était toi. Mais non, on dirait pas que c'était moi. Tu parles d'une heure pour appeler? Mais non, je parle pas d'une heure pour appeler. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, tu vas pas me croire, j'ai comme écrit, j'ai écrit un petit poème, là. Un poème. Je fais ça dans mes temps libres, mais tu veux l'écouter ou? Oui, vas-y. Tes yeux d'un bleu d'azur, tes cheveux en cascade, ton âme et cœur si pur, je vais prendre une petite salade. C'est tout? Oui, évidemment, la dernière rime est à retravailler, mais j'ai... Légèrement, oui. Enfin, Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais savoir si tu viendrais pas dîner avec moi dans un restaurant chic. Eh ben, dis donc, je te savais pas si riche. Eh ben, tu sais, ça va pas si mal. Oh, tiens, on sonne. Super, je te laisse. Non, 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 tu restes là, mais j'ai un sans-fil, hein, je peux continuer à te parler. Bonjour, monsieur Paul. Oui, je viens pour votre loyer, là, qui est en retard de oui, trois semaines. Oui, bien sûr, et comment allez-vous? Oui, moi, ça va bien, oui, tra-la-la-la-la-la-la-la. T'es toujours là, Caroline? Quoi, t'es en retard sur ton loyer? Mais pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire ça? J'entendais ton propriétaire te dire que ça faisait trois mois. Mais pas du tout, mais non, mais regarde. Et qu'est-ce que t'écoutes comme musique, par les temps qui courent? Pas grand-chose. T'as entendu ça? Rémi Doubi. Rémi qui? Rémi Doubi. Je connais pas. C'est lui qui chante Toi et moi dans le couloir. Pas entendu. Toi et moi dans le couloir, t'as pas entendu? Non. Et c'est lui aussi qui chante Un chien dans la rue. Un chien dans la rue, t'as seul. C'est très joli. T'as pas entendu ça? Non. Et c'est lui aussi qui chante L'ombre de ta valise. Mais merde. L'ombre de ta valise, t'as seul. Connais pas. Alors tu veux bien pour le restaurant? Je suis pas intéressé. Comment? Je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, t'as seul.